Cette directive nitrate est déployée en France en programme d'action réglementaire, qui s'applique dans les zones vulnérables. La nouveauté de cette année, c'est que le quatrième programme d'action va entrer en vigueur au 1er juillet 2009, concernant toutes les parcelles agricoles qui seront situées en zone vulnérable en France. Les zones vulnérables sont déterminées en fonction des taux de nitrate qu'on trouve dans les eaux. Donc en fonction du niveau, la zone est classée en zone vulnérable si on considère que les taux de nitrate sont soit au-delà du niveau réglementaire, à savoir 50 mg par litre, soit en voie d'augmentation vers cette limite-là. Et comment l'agriculteur peut avoir accès à l'information qu'il est ou n'est pas sur une zone vulnérable? Alors cette information-là est diffusée largement par les organismes de développement agricole, comme les chambres d'agriculture, mais aussi les coopératives.